Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce lundi 20 avril 2020, il est actuellement 13h47 sur notre belle Antil. Non, Antil, on va plutôt dire Antil. Je me rends compte que maintenant, si on le dit un peu à l'anglaise, ça fait autre chose. C'est mieux en français, hein. C'est mieux en français, hein. Tout de suite, les annonces du jour. Grâce à votre fidélité à toutes et à tous, les affaires sont de plus en plus florissantes à la boutique Nook. Oui! À telle enseigne qu'elle a du mal à satisfaire la demande de tous ses clients. C'est pourquoi elle va bénéficier d'une grande rénovation. Pour que nos jumeaux préférés puissent vous proposer une plus grande sélection d'articles. La boutique sera donc fermée pour travaux demain. La boîte de dépôt sera elle aussi inaccessible. Alors si vous avez des courses urgentes à faire et que vous voulez vendre quelque chose, pensez à le faire aujourd'hui, avant la fermeture de la boutique. C'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Yes! Ça veut dire pas de cours du navet demain, du coup. Ça veut dire pas de cours du navet demain, du coup. Bien vu, Gwenaël, hein. Bien vu. Alors, on va aller voir d'ailleurs, on va commencer directement par le cours du navet. Parce que c'est la chose qui est intéressante. On verra également qui est-ce qu'on a dans notre ville, puisqu'aujourd'hui on est censé avoir un Pollux, un truc dans le genre. Donc c'est parti. Cool, ça veut dire que je l'aurai dans 2 jours, moi, la nouvelle boutique. En théorie, ouais. En théorie, c'est ça. C'est ça. Et du coup, Clara, je vais faire un petit calcul, mais on reparlera. Waouh, il y a un beau truc, là. Ah, Julien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Depuis son ouverture, la boutique Nuke a vu sa clientèle grossir de jour en jour, à notre grande satisfaction. Mais l'heure n'est pas au repos bien mérité. Dormir sur nos lauriers, ce n'est pas notre truc. Nous, ce qu'on aime, c'est voir les choses en grand. Oui, ça on aime du coup. On a décidé d'agrandir la boutique. Ça va peut-être te sembler un peu soudain, mais on ferme demain pour cause de travaux. Je sais, une journée entière sans boutique, c'est long, mais on se revoit dans 2 jours. Pas de souci. Il y a des gens qui me disent l'intro YouTube. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, j'ai pas fait l'intro, j'ai pas fait la petite intro, mais on commence par Marie qui nous dit que c'est le jour 33, donc ça va. Bon, ça on va acheter. Ça on va acheter. Bonjour YouTube. Voilà, comme ça je vous dis bonjour. Bonjour YouTube, c'est le jour 33 sur Animal Crossing. Voilà, si vous le saviez pas, si vous l'avez pas remarqué dans le titre, on est au jour 33. Même le lavabo en noir, il est classe, hein. Par contre, pourquoi le lavabo il est blanc? Ça aurait pas été mieux que ce soit tout noir? Je ne sais pas. Je me pose la question, tu vois. Est-ce qu'en tout noir, ça aurait pas été mieux? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Un mur botanique brun, un mur treillis marocain beige. Bah, allons-y, mur treillis marocain. Et c'est un sol marocain, ça, le truc en bas? Non, c'est un parquet marqueterie. Marqueterie, d'accord, ok. Marqueterie, et bah, allons-y. Ensuite, ça, c'est quoi? Un sol liège, on s'en fiche. Moquette à pois bleus. Allez, on va prendre. Et le sol dalle caoutchouc, parfait. On prend ça également. Et là, on est bon. Et on va voir le cours du navet, bien entendu. Bien entendu, je sais que vous voulez voir le cours du navet. C'est parti, le cours du navet. 74 clochettes pièces, donc c'est vraiment du caca. C'est vraiment du gros caca. Hein, c'est vraiment du gros caca. Donc, pas trop d'intérêt aujourd'hui de partir sur un cours du navet ou quelque chose dans le genre. Un bureau pour... Mais je l'ai déjà en 3 fois, en fait, ce bureau-là, les gars. Les gars, je l'ai déjà en 3 fois, ce bureau-là. On l'a installé hier, en fait, le bureau. Suivez, hein. Eh oh, suivez un petit peu le déroulement des choses, hein. On l'a déjà installé 3 fois, hein, celui-là. Les gars. Hop. Regardez, je vais vous montrer. Alors, donc attends, ici on a une nouvelle violette, on a une rouge là qui a poussé entre 2 violettes. Très bien. Tiens, on a un oiseau qui a poussé entre 2 noirs, c'est bizarre. C'est bizarre, une nouvelle rose par ici. Et voilà la nouvelle devanture de l'école. Waouh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Là elle pète, hein, l'école, hein. Ça c'est pas une petite école de rien du tout, hein. Si je peux vous dire, c'est presque un manoir école, hein. C'est un manoir école, ça. C'est un manoir école.
C'est un manoir école. Entre dedans. Ok, j'entre dedans. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc ça c'était la salle principale de l'école. Vous la connaissez. Et puis là-haut, regardez, on avait mis la salle de Madame Bavoc. Et elle a déjà le bureau. Vous voyez bien qu'elle l'a. Vous voyez bien qu'elle a déjà son bureau, Madame Bavoc. Donc il n'y a pas de souci. Elle l'a déjà son bureau. Tout va bien. Tout va bien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout va bien. Tout bien. Il manque pas un carreau de pavé au sol à gauche de l'école. Alors, ça dépend. Si tu veux une symétrie avec ce qui se passe à droite, non. Mais c'est parce qu'en fait, au début, il y a le truc. Je sais pas si en soi, il en manque vraiment un. Elle dort à l'école. Bah oui, c'est sa maison. C'est sa maison. Ça existe, hein, vous savez, à la campagne, hein, dans les tout 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 petits villages, ça peut exister, hein, les gens qui font l'école dans leur salon. Ça existe, hein, dans des tout 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 petits villages. Hein. Ça peut exister, hein. Bon, peut-être pas dans le temps correct, mais oui, dans mon village. Tiens, tu vois? Alors, les gars, ayez connaissance un peu de votre prochain. Hein. Et oui, ça se passe comme ça dans certains bleds de France. Hein. Disons-le. Bon, du coup, je sais toujours pas qui y a chez nous aujourd'hui. On va voir ici. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les cosmos, ça fait jamais de cosmos noir. Qu'on mette des rouges, qu'on mette des oranges, qu'on mette des violets, qu'on mette n'importe quoi à côté, ça ne fait jamais ce qu'on veut. Donc, moi, je commence à me dire, c'est chaud. Et les lys, pareil. Je suis désolé, mais les lys, ils se sont jamais reproduits. Ça fait plus d'une semaine. Ça fait plus d'une semaine, les lys ne se sont jamais reproduits. Moi, ça m'offusque. Moi, ça m'offusque. Tom Nonk me demande de me reposer. Je comprends plus rien. S'il dit de te reposer, ça veut dire qu'il faut que tu attendes et que aujourd'hui, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que faut que tu attendes et qu'aujourd'hui, il n'y a rien de spécial à faire. C'est ça quand il te dit de te reposer, Tom Nook. Yeah! Jason! Jason is in the place! Jason! Jason! Génial. Trop content. On a Jason. On va enfin pouvoir vendre tous nos insectes. Ça, c'est génial. Donc, il a pris quand des agrumes ou c'est autre chose, ça? Oh, on l'a pas, celui-là. Celui-là, on l'a pas. Celui-là, il doit être super rare. Celui-là, il doit être super rare. On l'a pas. Je suis désolé, on l'a pas, celui-là. C'est pas un Capricorne des agrumes, ça. Ça, c'est un cancer de la balance. Un Buprest. Vous avez des Buprest, vous? Moi, j'ai pas de Buprest. On dirait un nom de médicament. On dirait un nom de médicament, le Buprest. N'oublie pas de le mettre au musée. T'inquiète pas, on y va. Mais avant tout, je vous propose d'aller par ici. Il y a encore la robe? Pourquoi il y a encore la robe là chez les sœurs doigts de fée? Bienvenue chez les sœurs doigts de fée, l'antre des vêtements griffés. Yes, allez. Vas-y, donne-moi des petits trucs. Oh, Julien, tu tombes à pic. J'espère bien te voir aujourd'hui. Je t'ai confectionné de nouvelles pièces de tissu. Merci, Cousette. T'as montré ton code ami, c'est pas grave. C'est pas grave, vous pourrez pas m'envoyer de demande de toute façon. Alors, on a des imperméables. Oh. Jupe en polaire. Qui met ça? Qui met ça? On dirait un micro-ondes. Vous portez ça, vous? On dirait des micro-ondes. Les gens qui portent des jupes là. On dirait un micro-ondes, le truc. Personne prend ça, hein. Un micro-ondes, c'est incroyable. La robe évasée rétro. Ouais, d'accord, ok. Robe tunique bohémienne. D'accord. On a des petits trucs comme ça. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas le début d'un outfit là? Est-ce qu'on n'aurait pas un début d'outfit là? Excusez-moi.
Excusez-moi là. Excusez-moi. Mais j'ai l'impression qu'on a un début de quelque chose, nous. J'ai l'impression qu'on a un début de quelque chose. Attends, on a de belles chaussures de rando là. Ouais, ok. Ok, ok. Et qu'est-ce qu'on nous propose au niveau des pantalons là? Il y a des pantalons quelque part? Ah, les pantalons, on n'est pas servi aujourd'hui. Hein. On peut se mettre noir. Ouais, ça c'est pas mal. Moi je trouve qu'il y a un petit style. Hein. Je trouve personnellement qu'il y a un petit style. Hein. Il y a un petit truc. Non, c'est mieux comme ça. Après, c'est vrai qu'on a d'autres types de montures. Mais je pense que ça, c'est le mieux. Ça reste le mieux. Ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal, hein. On est pas mal. Hein. Ça te va comme un gant. Mais bien sûr. Mais ça, ça c'est incroyable. Hein. On va juste aller un petit coup dans notre stockage, frigo, tout ce que vous voulez. Attendez, laissez-moi envisager les choses. Non, ça fait trop... Non, après ça va plus. Hein. On va laisser... Ça reste le mieux hein, quand même. Ouais, ça reste le mieux. Ok, et je voulais regarder au niveau des sacs. Qu'est-ce qu'on a au niveau des sacs pour voir un petit peu ensuite, tu vois. Ça, c'est pas mal. Truc à poisson, non. Non, le mieux, ça reste le sac à dos rigide, je pense. Moi, je pense qu'on est pas mal comme ça. Allez, c'est parti. Bah là, on a un style... on a un style propre. Non, on n'aime pas. Ça fait carapace. Ça fait carapace. C'est génial, regardez. Hop, hop, hop. C'est génial. Pourquoi tu t'habilles tout le temps comme une fille? Comment ça, c'est des habits de fille? Déjà, il n'y a pas de genre pour les habits, ok? Et c'est pas une fille. Je suis super bug. C'est l'outfit de super bug. Ouais, c'est ça, rose égale fille, en fait, les gens pensent. Demain, vous allez voir, je vais mettre un t-shirt rose. Ça fait Ant-Man, ouais. Ouais, ça fait un peu Ant-Man, c'est vrai. Ça peut faire un peu Ant-Man. Stop insulter Ladybug, là. C'est pas Ladybug, c'est Superbug. Arrêtez. Bug Boy. C'est Bug Boy. C'est Bug Boy. C'est Bug Boy, pardon, ouais. C'est Bug Boy. Bug Boy, ça me va bien. Salut, Audi. Trottine, ça va ou quoi? T'as l'air en pleine forme. Ah bah, tu vois, ouais. J'avais grave envie de me balader et puis j'ai commencé à m'ennuyer. Mais te voilà, alors ça va mieux. Et ben voilà. Très bien ça. Ah, qu'est-ce qu'il a lui? Oh moi, si tu es pas désagréable, mais je peux pas m'empêcher de penser que je pourrais te trouver mieux. Alors oui, j'ai plein d'amis dans le coin, mais je me demande si on me supporterait aussi ailleurs. On sait que ce qu'on quitte est pas ce qu'on aura, mais si on quitte rien, on n'est pas prêt d'en savoir plus. Mais Rocky, t'es un pilier de notre ville. T'es un pilier de notre ville. On peut pas te laisser partir comme ça. T'es vraiment un pilier. C'est toi qui fais l'ambiance dans les soirées. C'est toi qui casse l'ambiance aussi dans les soirées, mais vu que c'est toi qui l'as mis, c'est toi. Non, Rocky, tu restes. Oh, qu'on me prive de dessert aussi, j'ai compris de travers. Tu veux que je reste, Julien? Comment tu veux que je demeure droit dans mes convictions si tu me fais du chantage affectif? Bon, tu as gagné. Je reste encore un peu ici. Tu es content, j'espère. En y réfléchissant, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici, dingo. Et l'herbe est assez verte à mon goût. Voilà. Voilà. Non, mais attends. Oui, c'est pour quoi? Ça te ferait plaisir? Non, en fait, j'ai vraiment rien pour lui. J'ai rien du tout pour lui sur moi. Je vais lui donner une noix de coco. On va lui donner une noix de coco. Tiens. Oh, des noix de coco, ça sent drôlement bon en plus.
Merci. Je sais déjà où ça va finir, dans mon estomac, hahaha. Je n'ai que 325 clochettes sur moi en ce moment, mais j'aimerais te les offrir quand même. Voilà, corruption pour qu'il reste. Merci Rocky. Je vais lui parler encore une fois. Salut à jeunesse, ça boum. Comme vous dites chez vous. Tu racontes quoi? Tu sais à quoi ressemble Peter, toi? Moi, je me le demande encore, dingo. Tu veux dire que Peter est pas venu te dire bonjour? Je crois que Peter, il a dit bonjour à personne, en fait. Eh oui. C'est le problème. Oh ah, vous l'avez vu ou pas? Did you see it? Did you see it? Vous verrez après, alors. Salut, Sagaz. Tu te fais plaisir aujourd'hui, Balaboum? Discutons un peu. On est pépouze ici. Hein. Tu peux ronquer jusqu'à midi et il n'y a personne pour te prendre la tête. C'est la rose noire qui a poussé. C'est la rose noire. C'est la rose noire qui a poussé. Bon bah voilà une rose noire. On en a une. Il en faut deux normalement pour pouvoir faire ce qu'il faut. Il en faut deux. Donc on a la rose noire. Ça c'est plutôt très très cool. Vas-y, moi j'arrose tout. J'arrose toute la vie. Que vous soyez grand ou petit. J'arrose toute la vie. Le matin, le midi. Et parfois même à minuit. Allez. Pensez bleu derrière. Pensez bleu derrière. Pensez bleu devant. Allez, on bouge. 1, 2, 3, 4. Hop. Ah, merci d'arroser. C'est trop cool. Merci à toi. Hein. Merci à toi, Rina. Rina. Bon, ça, c'est pas mal. Pensez bleu ici. Eh oui, pensez bleu. Eh ben, très bien. Allez. Allez. Mic, mac, mic, 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 mac, mic, 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 mic. Mic, 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 ma. Mac, mic, 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 ma. Wouah, wouah. Wouah, wouah. Wouah, 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 wouah. Wouah, wouah. Wouah, wouah. Wouah, wouah. Le cri de l'essurgeon, un peu. C'est un peu ça. Moi, quand j'étais gamin, je vendais quoi? 2 euros le brin de muguet, je crois. 2 euros, enfin le petit bouquet de muguet. 2 euros le petit bouquet de muguet. Et je me faisais, je crois, environ entre 100 et 130 euros à la fin de la journée, à la fin de la matinée. Ah ouais, ah bah moi, ça tend, le 1er mai, je l'attendais comme un ouf. Hein. C'était comme ça après que je m'achetais mes jeux vidéo, mes trucs dans le genre. Il y avait deux trucs dans l'année en fait. Enfin, il y avait plusieurs trucs qui faisaient dans l'année que j'avais de l'argent. Il y avait mon anniversaire, il y avait Noël. Mais il y avait surtout. Le vide-grenier. Avec mes parents, on faisait, il y a une époque, on faisait un vide-grenier par an. Donc du coup, je récoltais des vieux trucs, des vieux jouets et tout machin, et tu mettais des prix. Et donc je récoltais de l'argent avec ça. Et le 1er mai, avec le muguet. C'est comme ça que j'ai gagné de l'argent. Et après, j'économisais pour m'acheter des consoles ou des jeux vidéo. Merci à French Lunatic pour ton sub. Merci beaucoup. Pareil, chez ma grand-mère, c'est la tradition, la brocante de l'année. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est sympa de faire une brocante. Mais voilà. Enterré. Nice. Question pour vous. Le diner aura une terrasse. La terrasse, on l'a fait. Côté lac. Côté place. Voilà, ça s'arrête là. Côté lac ou côté place pour la terrasse du diner? Côté lac, sans hésiter. Bon, bah très bien, alors ce sera côté lac dans ce cas-là. Bah génial. Bon, ça me fait plaisir quand vous êtes d'accord comme ça et qu'il n'y a pas trop de soucis
de compréhension et de choix, quoi. Ah, longtemps qu'on n'avait pas eu de balloon. Bam. Boîte à couture. C'est quoi ça? Ouais, encore un truc moche, quoi. Un Buprest? Non. Allez, qu'est-ce que c'est? Le scintillement émeraude des ailes du Buprest a de quoi donner la nausée, pas vrai? Non, en tout cas, les Buprest étaient jadis prisés de joyers qui transformaient leurs ailes en bijoux. Comment peut-on trouver élégant de se parer d'un insecte? Tu parles d'une faute de goût? Il vient de m'insulter, le mec. Il vient clairement de m'insulter, en fait. Il dit à un mec déguisé en insecte que c'est une faute de goût de s'habiller en insecte, quoi. Moi, je suis un peu... Je suis un peu touché en plein cœur, là. J'ai l'impression que c'est une flèche qu'on m'a assénée. Non, mais d'accord, ok. Bah, non, mais je vois que... Je vois qu'on est gentil, ouais. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser, les amis, comme maintenant on sait que j'ai la boutique aujourd'hui, au bout des fameux 30 jours, on sait que... Je sais que, genre, il y a un bon quart de mon chat où vous êtes juste des gros menteurs. J'en parlais avec EMB hier soir. Et on disait, mais c'est fou quand même, tous ces gens dans notre chat qui se sont amusés pendant un mois à nous dire « Ah non, mais moi, j'ai pas time travel et j'ai déjà la boutique. Hein, donc franchement, je comprends pas. » Alors que globalement, on a la preuve que bah, si, vous avez time travel, en fait. C'est juste que vous avez même pas les couilles de le dire, quoi. C'est incroyable. EMB ne l'a pas aujourd'hui. Non, il l'aura demain, la boutique, lui, EMB. Parce que lui, il est à son jour 32. Il l'aura demain, normalement, le message d'agrandissement. Normalement. Est-ce qu'on crée notre nouveau personnage pour le diner? Ah, on peut avoir quelqu'un de métis, ouais, ou carrément. Je suis chaud, je suis grave chaud. On va voir ce qu'on peut faire, mais ouais, carrément. Ça peut être grave cool. Moi, je voudrais un prénom américain, tu vois. On peut faire un prénom latino-américain, non? Prénom latino-américain, c'est cool, ça. Luciana. Luciana, voilà. Qu'est-ce qu'on lui met comme anniversaire? Elle a son anniversaire quand il fait encore chaud. Je dirais en août. Je lui mettrais bien un anniversaire en août, moi. 27 août, c'est pas mal. 27 août. J'aime bien 27 août. Ensuite, il nous faudrait une photo de toi, Luciana. Alors, villageoise. Et Luciana, elle serait genre comme ça? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais, comme ça. Plus foncé? Latino-américain? Attends, je regarde. Plus foncé, ce serait trop foncé, hein. Je pense, hein. On n'avait pas dit afro-américain. Ah non, moi j'ai dit latino-américain. À la base, oui, quelqu'un m'avait dit fait une blague, mais après je me suis dit plutôt latino-américain. Moi, ça me faisait kiffer, mais après comme ça, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein. Par contre, au niveau de la tenue, au niveau de la perruque, pour le moment, on n'a rien de bien sympa. Hein. On va lui mettre ça pour le moment. Comme ça. Latino-américain, c'est bien. Ok. Bon, top, alors.
peut être comme ça, elle peut avoir des beaux yeux. Ah voilà, elle est sympa comme ça là. Elle est sympa, non? Des beaux yeux marrons là. Elle est pas mal. Je trouve qu'elle est pas mal. Non, comme ça, c'est pas beau. Moi, je préfère comme ça. J'aime bien le. Ouais, j'aime bien comme ça. Dora, JPP, vous êtes fou. Non, moi, j'aime bien comme ça. Comme ça, elle sourit bien. Elle se maquille un petit peu. Voilà. Elle est pas mal. Moi, je trouve qu'elle est bien, là, comme ça. T'en penses quoi? Change pas trop, hein, qu'on fasse une couleur ou une autre. Ouais, comme ça, c'est mieux. Moi, je trouve qu'elle est bien. Ondulée. Onduler les cheveux. Oh bah non, eh oh, c'est dégueulasse là. Non, là elle est bien. Non, elle est très bien là. Elle est très bien. Elle est parfaite. C'est Dora. Bah si vous voulez, c'est Dora. Hein. Si vous voulez, c'est Dora. Hein. Ça peut être Dora. Hein. Validé. C'est pas beau ondulé. Ouais, elle est très bien. En soi, t'as fini le jeu, là, tu fais plus que de la déco. On peut pas finir Animal Crossing, les gars. Et c'est vous, en fait, c'est les nouveaux joueurs de 2020 qui ont défini qu'il y avait une fin dans Animal Crossing. Parce qu'il n'y a jamais eu de fin dans Animal Crossing, en fait. Il n'y a jamais eu de fin dans Animal Crossing. Et c'est juste les nouveaux joueurs de 2020 qui sont arrivés sur le jeu et qui se sont dit, mais attends, une fois que j'ai fini les objectifs, ça veut dire que j'ai fini le jeu? Non. Ça n'a jamais été comme ça, puisqu'il n'y a jamais eu vraiment d'objectif dans Animal Crossing. C'est nouveau maintenant qu'on ait des objectifs, des choses dans le genre. C'est le jeu Animal Crossing où il y a une si grosse partie scénario, en fait. Scénario, entre guillemets. Donc c'est vous qui créez une fausse fin. C'est vous qui vous créez des bornes dans votre esprit, alors qu'il n'y a pas à avoir de bornes. Il n'y a pas de bornes à avoir. Il est infini, le jeu. Bah, il est quasi infini, ouais. Il est quasi infini. Alors, le diner. Le diner. Peut-être un de plus. Peut-être un en avant. Peut-être un de plus en avant, là. Hop. Peut-être plus par ici, comme ça. Un petit peu plus avancé. Imaginons. Ouais. Là, on est mieux. C'est top. Cet emplacement te convient. C'est parfait. Let's go. Enlève les arbres d'abord. S'en fiche. S'en fiche. T'as pas besoin de laisser les arbres ou de les enlever. On s'en fiche un petit peu. Nœud dans les cheveux. Je sais même pas si j'ai un nœud dans les cheveux quelque part. Je sais même pas si j'ai ça, tu vois. Nintendo Switch et... un établi de bricolage simple. Alors, tablier nostalgique. Ok, elle est pas mal, là. Elle est pas mal. Sinon, on avait le costume hollandais que j'aimais bien. Ça fait genre... je trouve que c'est sympa. Il y avait la robe de servante. Bon, non, c'est mieux... un tablier nostalgique, ouais. Pantalon en toile. Bleu ou blanc. Attends, pantalon en toile, j'ai aussi quoi? J'ai jaune comme ça ou j'ai blanc. Ok. Bon, elle est grave mimes comme ça. Elle est pas genre ultra mimes. Bah, elle est géniale comme ça, non? Maintenant, je me dis, est-ce que... est-ce qu'on se dirait pas
En vrai, non. Non, meilleure idée, meilleure idée, meilleure idée. Je vais remettre ce que... Je vais remettre ça. Pardon. Je pense à des trucs et puis après, je... Et puis après, je les oublie. On va faire un test. On va faire un test et on va voir ce que ça donne. Faire un test et on va voir ce que ça donne. Faisons un test. On va mettre cet arbre là. Voilà. J'ai plus de lance-pierre, hein, donc pas besoin de dire qu'il y a un ballon. On le sait qu'il y a un ballon. Ok. Tam 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 tam. Et donc du coup, imaginons là, je fais ça, ça, ça et ça. Est-ce que j'ai tapé un insecte? Ça m'a fait mal pour lui de le taper avec ça en vrai. Ok. Donc on aurait ça. Comme ça. Là, ici. On va mettre par ici. Donc chaise de jardin. Blanche. Ah, blanche, ça va pour celui-là. Boum. Boum, boum. Voilà. Blanche par ici. Là, on aurait une bleue, alors. Je regarde, hein, on teste. Hein. On teste, hein, je vous rappelle. Hein. Peut-être qu'en fait, on n'aime pas du tout l'alternance de couleurs. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'on va abandonner, en fait. Merci pour ce live qui m'aide dans cette reprise du taf après une semaine de congé. Merci à toi, Explorator YouTube, pour ton deuxième mois. Merci pour le resub. Merci pour le resub. Elle est où notre autre chaise? Chaise de jardin, donc celle-là, elle est bleue. Celle-là, elle est bleue. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pense de l'alternance? C'est cool ou c'est pas cool? L'alternance de couleurs. Ah, c'est cool. Ok, bon, bah, du coup, si vous trouvez ça cool, c'est bien. En vrai, ça passe. Ça fait moins chargé. Ça fait une petite lumière. Ça peut être top. En vrai, c'est pas mal. Hein. En vrai, l'idée est pas bête. L'idée est pas bête. Mets le réverbère entre la clôture et la rivière. Je peux pas. On peut pas, en fait. Tu n'as pas le droit de poser un truc juste à côté de, juste à côté d'un pont. Après. Ouais, c'est ce que je me pose la question, Pépito. Pourquoi on change pas le pont en rondin? Parce que si je le change, je crois qu'on pourra pas passer à côté. Ce pont-là, par exemple. Ouais, ce pont-là, par exemple, tu peux pas passer en fait ici. Donc ça bloquerait de base. Ça implique qu'on demande la démolition aujourd'hui et qu'on mette le nouveau pont demain. Bienvenue au guichet des consultations. Alors, parlons infrastructure. Les ponts et les rampes. Démolir un élément.
Alors, parlons pont ou prenons langue et parlons rampe. Ah, c'est bien, il te montre comme ça tu vois vraiment lequel tu démolis. Voilà, donc on veut démolir le pont en rondin. Tu veux détruire notre adorable pont en rondin. Ce sera 10 000 clochettes. C'est parti, démolition. Et donc demain, il n'y aura plus de pont en rondin. Adieu, monsieur le pont. Adieu, monsieur le pont. Pour le moment, il est encore là. Ok, d'accord. Il est encore là pour le moment. Ça nous permettra même peut-être de... Ouais. On pourra déplacer la rive de 1, par exemple, si on a envie. Ouais. Ça va nous apporter que des bonnes choses. Ça va nous apporter que des bonnes choses de mettre un pont. Non. Enfin, d'enlever le pont. Ça va être juste génial. Donc en vrai que des bonnes idées. Que des bonnes idées. Enlever le pont, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose qu'on a eu comme idée. Merci à tous les gens de YouTube d'avoir suivi ce 33e jour. On se retrouve demain pour le 34e jour. Attention, la boutique sera fermée. Mais on se retrouve quand même à midi pour prochain épisode. Et si vous voulez découvrir le 34e épisode en train d'être tourné, ça se passe à 13h. Sur twitch.tv/newsitof. Le lien est en description. Restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Newsitof. Bye tout le monde.